Amis téléspectateurs, SPM, bonsoir. Vapam, c'est la Lan Fritz. C'est un plaisir pour nous encore présents et vivants sous permission de Dieu Tout-Puissant pour présenter pour téléspectateurs, SPM, information sans mélange. Sur l'actualité, qu'a brassé le pays d'Haïti. Nous disons bienvenue à Super Branché téléspectateurs, SPM, qui est toujours fidèle dans l'émission pour le grand dossier. Bonsoir, PDG Abner. C'est un plaisir pour nous encore présents sous permission de Dieu Tout-Puissant pour présenter toute actualité qu'a tchatchakol sous territoire national pays d'Haïti dans l'émission grand dossier. Point qui a dominé l'actualité en Haïti, pour journée qui c'est lundi 23 septembre 2024, toute parole en pile finie, la question qui est-ce qui prend parole dans l'Assemblée générale Nations Unies, qui est trouvée depuis les États-Unis d'Amérique, dans New York. Barayon en pile, yo presse à terre, département d'État finit par décider. Ambassade américaine pour tes précisions, porte-parole primati pour tes autres précisions. Dans minute, n'a présenté émission 1, Edgar Leblanc-Fils, t'as déjà retrouvé lui aux États-Unis d'Amérique. Et depuis dimanche, c'est conseiller présidentiel Leslie Voltaire qui te prend tête délégation haïtienne face à Palais en pile. Croisement diplomatique qui était existé entre deux délégations pour une seule programmation qui c'est qui est-ce qui a pris parole dans non Haïti dans l'Assemblée générale Nations Unies sorti 20 arrivé 28 septembre 2024 et d'ici 26 septembre qui va venir là président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils c'est dit qui va prendre la parole. Zam a parlé dans le nord, Zam a parlé dans Delma, Port-au-Prince, et j'en te connais hier, Zam a parlé dans Okaï, côté Yon, qui s'est lui-même employé dans la police nationale dans ville Okaï, tout y Yon, madame ni, et lui exécuté tête. Policier tombé. En babal, nèg aksam a bò yon bus ki li menm te suspek apre bus a te refuze soumèt avèk sinyal polisye kat pou nda di polisye li menm ki se yon ajan kat li tombe e porte-parole la polis nasyonal ki se Lionel Lazare ap pote plus presisyon. Pilat Nèg aksam rentre nan yon kay samedi ki sot pase la, yo touye ni mouche ni madame pandan nan vil Okap. A kelke metre de komisariya, yon kambis rive jwenn lanmòl e nèg a bò moto ki ekzekute li ale a tout salte genyen e pi vide le lye. Dosye Digicel, tout bagay fini, internet la ou repren job li. En Haïti, pas gen problème signal. Jean Salim même t'est présenté qui te mette Digicel en face monsieur Kalikoyo. Qui t'en plein. ULCC nan ki point dossier ULCC a face avec BNC vu avec président ancien président conseil administration BNC Raoul Pierre-Louis après refoulé en trois occasions ULCC Gemlek a même fait arrêter Raoul Pierre-Louis pour rondement. Comme un dossier, commissaire qui t'a dirigé commune Tabar à hauteur de la police nationale d'Haïti. Nous voulons parler de Livenson Gauthier. Selon toute information qui confirmait, Gauthier a une libération. Li. Dossier li qui t'est trouvé dans DCPJ, transmettre. Vers inspection générale nan an pa Delma pou fè suite ak akuzasyon ki pote sou do li e informasyon yo depi yèr an pil parol an pil sa pale sou yon eventuel liberasyon komisè Livenson Gauthier. Jan alert la SOS la te prezante neg aksam occupé plusieurs quartiers qui proches à commune Sodo
Même l'Église pas épargnée et en pile moun sodo déjà vidé les lieux pour éviter yo même yo pas passé en bas mouché l'an mort face à bandits armés. D'après rappelé nous, 22 qui sont passés là, ça fait un an depuis commune sodo te connaît 10 morts face à Katak Negaxam et jour pour jour, date pour date, un an après. Encore Negaxam retourné pour ta frapper comme une sodo. Bagay en pile. Yo pas pitié, yo pas mess. Jeune Pierre-Louis, agent 4 dans DCPR, qui c'est police circulation Delma 33, mais qui a boyon bus, rivé, joine l'anmoli en babal Negaxam qui était occupé bus ça dans Delma 19. Marché Séradot, matin lundi 23 septembre 2024. Porte-parole en après Lionel Lazare a porté précision sous question sous assassinat agent Katsa et gagnant l'autre policier qui était avec à bon moto pendant t'as suivi Bussa qui lui-même blessé trouvé lui sous cabane l'hôpital matin lundi 23 septembre 2024. Écoutez ça. Du matin, hein, aux environs de 8h30, comme ça, il y a deux policiers qui travaillent dans la circulation, ça relève les DCPR là. Policiers, ça relève, ils travaillent dans la rue Garriguinou et Delma 33 à proximité Saint-Louis de Gonzague. Alors, ça, c'est selon commissariat Delma 33, parce que vous connaissez que ça passe là. Lui, c'est sous juridiction Delma 33 que lui. Dans le cadre de travail que les policiers ont fait, eh bien, ils ont intercepté. Il y a un véhicule qui sont des minibus de couleur blanche que ils ont campé, eh bien, ils n'ont pas obtempéré. Par la suite, Bussa, la fuite, policiers qui ça fait, ils ont suivi Bussa pendant qu'ils sont arrivés dans la zone Delma 19, précisément dans le marché Séradot. Bussa qui était avec plusieurs individus armés, eh bien, ils ont l'ouvri coup de zame sur deux policiers saillants qui étaient absurdes. Par la suite, il y a plusieurs barcopes qui sont arrivés et deux policiers saillants ont été atteints de projectiles. Et par la suite, plusieurs patrouilles qui arrivaient pour être capables de transporter policiers saillants en urgence et dans l'hôpital. Il y a un policier qui s'est Pierre-Louis Tuené, 7e promotion agent 4, qui décédait l'hôpital. Il était à courir l'hôpital ensemble avec lui. Et puis tout, il y a l'autre policier qui prend plusieurs projectiles pour le moment qui a pris soin de l'hôpital. Il t'a poursuivi, la police privée et mettez mes souliers. Pour le moment, information que le commissariat Delma 33 a partagé ensemble avec nous, il n'a pas mentionné qui ça a fait avec l'hôpital. Est-ce que tu as d'autres backups qui étaient à la recherche là. Pour le moment, dans le rapport que nous gagnons dans nos là, il n'y a pas tourné que tu as une poursuite qui t'a fait des bus. Qui détaille la police gagne sur ce qui passé au CAI hier côté grand employé civil Emmanuel Luma alias Mono qui t'a tué madame Lee et puis t'a tué tes pieds après. Jusqu'à présent, la police propose gagne trop de détails sur ça, en attendant que nous attendions un rapport détaillé qui peut arriver, joindre au pire au niveau la police là pour ça qui passait. En ce qui concerne la situation grecienne, qui détaille en plus la police gagne, nous apprenons qu'il y a des améliorations gagne. Intervention de la police à faire dans zone. La police a travaillé dans plusieurs zones. Policiers n'ont pas chômé. Policiers ont continué à travailler. Nous croyons qu'il n'y a pas qu'une avancée qui a fait pour le moment. En attendant qu'il y ait plus d'évolution, nous croyons que la police a même là, continué à travailler dans l'intérêt national, dans l'intérêt population. Hein, et directeur général de la police à travers toute équipe, les commandements qu'il a, tête par commission pour le travail pour garantir la sécurité de chaque monde dans le pays. Je ne saute avancé pour nous toujours été dans le département l'Ouest. Fois ça, c'est font arriver dans le conseil présidentiel transition et même coup de pied ça après elle dit qui ça traversé aux États-Unis d'Amérique face à la délégation haïtienne là, qui était dans tête Edgar Leblanc fils qui était trouvé li handicapé pour te prendre avion samedi qui s'est passé là. Selon l'information qui avançait, le département d'État américain lui-même, il retournait sous décision
Côté le décider que président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils, et qui c'est selon information qui avançait que gouvernement américain a décidé pour pas accorder sécurité à Edgar Leblanc-Fils sous proposition avocat département d'État qui pas comprendre pour qui ça gagne deux conseillers présidents, c'est ça eux-mêmes ont avancé comme excuse qui était fait partie de une seule délégation alors que gagne un seul qui t'a de représenter pour conseil présidentiel là, mais est-ce que c'est pour président ou pour Garigoni? Parce que Garigoni est premier ministre qui était premier à aller, de qui président a parlé. Deux délégations, c'est une qui est en tête, l'un premier ministre, l'autre là en président. Et après, pour parler avec gouvernement haïtien, département d'État, tu es retourné sous décision li, et Edgar Leblanc, fils actuel président de la République d'Haïti, et vin accepté journée qui c'est lundi 23 septembre 2024 embarqué dans avion pour aller participer dans 79e anniversaire Assemblée générale Nations Unies et c'est nan non Haïti Edgar Leblanc-Fils pral prend parole jeudi qui c'est 26 septembre dans la tribune Nations Unies en sorte qu'on est qui t'est produit dans ça qui t'est passé yo. Avec ça que, et porte-parole, et la primature, qui c'est des Augustes, et lui-même, qui c'est porte-parole, la primature, Jean-Gilles des Augustes, ça le dit, avec ça qui parlait dans le couloir diplomatique, c'est fait noir, qui a battu avec soleil. Pas d'où c'était soleil, non, c'est déjà une bataille tout le temps. Vous voyez, la grande pile de gagam, pas d'où ça, non, d'où c'est fait noir. La bataille à cité soleil, mais avant tant d'intervention, la force juive, qui ça, Edgar Leblanc, t'es avancé avant pour le décamper sous déplacement ni, et qui ça lui-même, porte-parole la primature, lui-même pour l'avancer comme excuse. Écoutez ça. La 79e Assemblée générale des Nations Unies, allez déjà. C'est gagné un parti qui était arrêté pour accueillir le président Ruto et la délégation après-midi. Quelques 6 membres de la délégation qui étaient arrêtés pour accueillir la partie ensemble avec lui. Membre conseil présidentiel transition, ministre par intérim, ok, moi prends une décision. Je ne peux pas accompagner le président Ruto au retour. Conseiller président Voltaire, qui dans notre délégation et avec deux autres membres, a pas accompagné lui pour aller à New York. Une prends décision ça. Parce que il y a une confusion qui vient de paraître entre les Nations Unies, le département d'État et la représentation d'Haïti auprès des Nations Unies. Moi, j'ai les ministres des Affaires étrangères là, je demande pour les rappeler pour éclaircissement, clarification sur ce qui s'est passé. Et représentant d'Haïti auprès des Nations Unies, ambassadeur à Rodrigue et l'ambassadeur Haïti à Washington. Pour que. Au conseil, expliquer qui s'est gagné, qui s'est passé pour nous connaître. D'ici au 26 septembre, nous avons gagné suffisamment d'informations pour nous prendre une décision qui est-ce qui a porté la parole à l'Assemblée. Nous avons déjà dit, le conseil présidentiel, référez-le à l'action qui a mené à ULCC pour que toute indépendance, il fait le plus vite possible présenter rapport enquête que lui commencer. Et ça. Confirmé pour rassurer son poste. Le docteur Garikoni, premier ministre haïtien, est en mission aux États-Unis à New York. Il fait partie d'une délégation conduite par le Conseil présidentiel de transition dans le cadre 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Donc, chemin faisant, le docteur Garikoni, chef de gouvernement, qui accompagne les mêmes tout que quelques membres de son cabinet ministériel, vient pour rencontrer plusieurs personnalités, notamment le premier ministre jamaïcain, Andrew Agnes, pour discuter de la coopération bilatérale, mais aussi et surtout des appuis en matière sécuritaire que la Jamaïque a fait promettre à Haïti, surtout dans le cadre de crise sécuritaire que le pays a traversée. Nous connaissons que la Jamaïque louait déjà environ 20 de soldats en Haïti, mais ce qui n'est pas suffisant. Et les deux premiers ministres ont discuté sous l'enforcement de capacités en matière ressources humaines, en matière ressources matérielles aussi, comme ça a été le cas pour le Kenya. Donc, après le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness, le docteur Garikoni, chef du gouvernement, rencontré la directrice stratégique des opérations de la Banque mondiale pour discuter de la question
d'information, d'aide, mais aussi et surtout de feuille de route du gouvernement. La directrice lui-même lui promet pour lui aider à promouvoir auprès des partenaires de la Banque mondiale, mais aussi et surtout auprès des partenaires d'Haïti. Le docteur Garikouni a rencontré également le secrétaire général de l'ONU pour échanger sur la question de la crise globale que vit le pays, crise économique, crise politique, crise humanitaire, voire crise sécuritaire. Nous connaissons que le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé le déploiement de la mission multinationale de soutien. Que Kenya lui-même gagne leadership. Il a rencontré des personnalités académiques, notamment des intellectuels, des académiques de l'Université Columbia pour discuter de partenariats, de coopération académique avec les États-Unis via cette université que lui-même connaît en pile, une personnalité qui a fonctionné, qui a pu créer notre université. Est-ce que M. Kony vient pour prendre la parole aux États-Unis ou bien c'est ce PT à Cap-Malé? Non. Mon agenda, Dr. Garikouni, il n'est pas question qu'il parle, parce qu'il y a le conseil présidentiel qui garde le leadership de la délégation. Maintenant, nous songez dans des conférences de presse qui étaient gagnées, côté que le président du conseil présidentiel de transition, l'Itapo, se voit accompagné de la première ministre AI, Mme Kitlène Foresta. L'idée dit que c'est à partir de 26 que on est qui est capable au nom d'Haïti à la tribune des Nations Unies. Pour l'instant, et selon toute acte décidé, le Premier ministre Dr. Garikouni lui-même dit accompagner délégation, les gagner pour faire des rencontres pour défendre les intérêts d'Haïti, redéfinir la stratégie de la gestion de la crise haïtienne, discuter de nouvelles manières de comprendre. Avec le Dr. Garikouni, tous partager avec l'auditoire haïtien, pourquoi pas avec le pays, même avec les partenaires d'Haïti, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension, une sous-évaluation de la crise que vit le pays. Donc, on pense que la question sécuritaire aujourd'hui doit être gérée uniquement par la police nationale ou par les forces armées d'Haïti ou par la mission multinationale. Selon sa capale dans le couloir diplomatique pays d'Haïti, possible révocation, Madame Dominique Dupuis a fait go parler en pile après croisement diplomatique entre deux délégations haïtiennes qui étaient même rivées la cause. Président CTPA campé sous voyage li et c'est après 48 heures li reprend route li vers Nations Unies. Rayo pwes yo papiti en même temps yo pa mince. Jean ou te konnen ni, l'école pral ouvri pot li jou ki pral mardi 1er octobre 2024. Sa ki ta presque vle di, nou avanse vers dernière touche pou ouverture des classes dan peu d'espace ki pral vini la. Plusieurs départements poko wèk lè nan question ki ta avanse vers Sandare le plutôt en subvention pour parents yo, soit à hauteur de 15 à 20 000 gouttes. Et parents yo, pour kowek le, nan question ça, et gen plusieurs communes qui entre les mains des civils armés, l'école yo gen passé mais Jean-Ministre la ta avancé qui pa fèl, et gen des responsables politiques, tant qu'au mouvement point final, qui gen coordonnateur li, Jean Chenet Ulysse, il t'a bat bouche li pour te réagir face à ça le roi devant mélangé avec ouverture des classes là qui Jean connaît déjà département de la Tibonite pas très clair non plus si en rien pas fait pour pacifier voie nationale numéro 1 en goûter réaction Jean Chenet Ulysse et vous connaît déjà qui situation 10 000 timoun qui logé dans camp qui trouvé colli dans Léogane. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale rive sous moun sa yo dossier yo presse dans la République porte sans principe qui tête coupé avec Port-au-Prince et République d'Haïti tant qu'on République qui n'a yon eto que personne pas connaît qui vraie persécution qui vrai mauvais esprit qui lui-même cap taquiner dengwani écoutez ça. Les n'gardé approche pour ouverture des classes là et qui vient pour faire le 1er octobre 2024 là. C'est une réouverture qui est dans l'impasse parce que pas a quelle condition qui réunit pour permettre que tout le monde retourne à l'école
convenablement. À nous garder prix uniforme, à nous garder prix manuel scolaire, à nous garder l'école qui est occupée par les réfugiés internes, qui peut quand même libérer, à nous garder l'école publique qui peut réaménager, réparer pour permettre l'ouverture des classes, qui donc c'est une ouverture des classes qui est dans l'impact, malgré le ministre de l'Éducation, et pour mettre environ 5 milliards d'euros de subventions pour les parents. Et des écoles publiques. Et puis ensuite, en ce qui a trait à la crise politique, nous avons les 100 jours de Gary Conny. Les 100 jours de Gary Conny, ce sont des 100 jours de fausses promesses, parce que là, nous gardons en matière de promesses, nous sommes faits sous sécurité, quand elle dit c'est de maison, de zone en zone, et pour un territoire qui aurait les territoires perdus, au contraire. Au lieu que nous récupérions les territoires perdus, et pendant 100 jours de Gary Conny, parce que avant Gary Conny, ce n'était pas un territoire perdu, et Cabaret non plus. Et donc, les 100 jours de Gary Conny, et nous sommes capables de considérer comme des 100 jours de fausses promesses, parce que ça n'y a rien que de promesses pour les enfants qui réalisent. Très compliqué, c'est une situation catastrophique. Et là, on regarde l'état, conditions de vie et déplacer interne Grecier et qui vient abriter Koyo Léogane. Et c'est vraiment une situation très catastrophique. Même dans ce centre d'hébergement qui est au centre-ville de Léogane, non seulement en matière de démographie, il y a trois monde et qui ont un espace côté. Ça nous fait que nous avons du mal pour respirer, nous avons des problèmes hygiéniques graves en dedans, et l'eau n'est pas disponible en quantité et en qualité, et nous n'avons pas accès à la vie. Donc, c'est vraiment une situation très catastrophique. Chaque jour, parole ça y est répétée, est-ce que c'est dans un désert habité par des humains et autorités eux-mêmes, yo soud dans la revendication? La masse, yo gen jeu yo wè, bara yo presse dans la République. Coup de jet sous zam kap pale dans plusieurs départements. Le Nord gen 3 cadavres nan men yo, et cadavres sa yo, c'est 2 membres dans même famille, nèg ak zam investi yon localité nan ki rele Mago, nan commune Pilate, côté nèg ak zam nan nuit dimanche. Rentré la caille en famille, tuer ni madame Macmouché, et puis virer doyo, aller, crason quitter ça. En pile grogne, pour nouveau responsable commissariat nan Pilate, yo kwe, ki li même pa fan ken travail face ak l'autre qui te transféré, et même policier yo kwe tout, policier yo, lorsque population a fait arrêter yon moun yo suspect ki nan mouvement louche, avec l'argent en poche, li wen libération. Encore pour paysans dans Pilatio qui a plaigné lorsque il a déplacé pour traverser Mago si yo pa gon makon kòb dans poche pour la police ba yon accompagnement yo pa capable traverser comme semble-t-il police yo c'est trop bien fait et yo ta même prononcé yo sous vice délégué ak magistrat qui dans ville commune et Pilate pour l'état haïtien ta wè comment capable changer tête ça yo parce que yo pa kwè y a réglé rien nan commune Pilate. Kap haïtien bon côté pali, yon kambis trouvé lan moli par bal nèg ak zam ak moto ki ouvè zam sou li samedi ki te 21 septembre 2024 et c'est à quelques dizaines de mètres pou n'pa di 10 mètres de commissariat kap haïtien. Victime nan te touché par bal et kwak te gen intervention médicale ki fait sou li, mais il te rivé succombé en bas blessure li. Et li mouri nan minute nan pale la li retrouvé li nan morgue nan ville au cap haïtien bagay yo presse yo pa mince et en même temps yo gen dan kite nan département nord an fon rive nan commune Cabaret département l'ouest pays d'Haïti. Département l'ouest pays d'Haïti journée kite 22 septembre 2024 te fait commune Sodo un an côté ou te compté 10 morts dans chiffre victime commune nan te joine face à yon attaque qui était enregistré yon 22 septembre 2023. 22 septembre 2024, Jean alerte la li même li te lancé
ou t'étendez li dimanche, et commune nan, aux alentours de zones qui proche li, information qui avancée, qui relayée par plusieurs stations radio, environ 150 soldats groupes armés fédérés déjà regroupés yo dans quartier Camichot, gon lot qui pote nan Grosse-Pierre à Katipin, et même yon l'église rivée tombée en bas Meneg armé. En pile, si la yo qui habitait dans la commune Sodo vidait les lieux et l'autre qui était yo a dormi à 11 yeux ouverts, 11 yeux fermés, chaque sac nan yo pour défendre tête yo, kembe nan men yo, pour attendre à ce que sac ap vini pour yo même yo pare attendre ni. N'a pas rappelé dans la commune et dans la commune Cabaret, beaucoup de pal, si nous parlons de commune Sodo, nous parlons de bas plateau à hauteur de Mirebalais. Et Sinal prend Cabaret dans le département l'Ouest. 20 septembre qui s'est passé là, dans la commune Cabaret, tu as gagné un pasteur qui est arrivé et mourit en babal, nèg aksam. Pasteur lui-même, avant que l'État joigne l'État croisé avec Mouché Lanmò, c'est un brave chrétien lui-même, il était succombé en bas blessure, puisque nèg aksam qui était attaqué là, car pasteur. Pasteur lui-même t'est servi avec Bible, avec qui lui-même croit dans parole li, li te gon guitare tout, qui te, c'est pas guitare qu'on joue musique, mais son guitare qui fait bruit cartouche sonner, li te gon zam pa li vide cartouche, ça a les légitimes défenses, et drôle de coïncidence, volonté bon Dieu le fait, cartouche pasteur a fini, et nèg aksam yo, passé pasteur à l'infinitif, en bas cartouche, dans commune, Cabaret. Digicel confirmé que depuis 2 h du matin, jour qui est dimanche, pour l'ouvrir lundi 23 septembre 2024, toute panne résoute et que Internet li a fonctionné normalement, pas gain aucun dilemme pour yon moun naviguer sur Internet. Et primature, félicité, travail qui fait là, face avec démarche qui était entreprendre auprès du Conseil présidentiel transition. Primature avec ministère de la Justice pour te faciliter pan sa résoudre qui te servi un groupe malépandier pour Silayo qui a fonctionné à distance électronique, transaction au niveau de finances, tout ça yo te rete bloqué. Possible arrestation. Président, ancien président BNC, hein, Raoul Pierre-Louis, qui lui-même, ULCC, t'a reproché lui de 3 convocations, lui-même lui t'a boudé sous plainte, lui t'a déposé par question de 3 conseillers présidentiels qui t'a épinglé dans le dossier 100 millions goud. ULCC pas écarté possibilité pour aller râler Menin Vinibali, ancien président administration BNCA, qui c'est Raoul Pierre-Louis. En quelle réaction pour qu'au fait, bon côté pas. Et avocat, ancien président administration BNC, mais c'est menace ça qui vivait dans couloir, ça qui a traversé en dedans ULCC, bagaille au point dans République d'Haïti. Ou prend le temps donc SOS qui lui-même pour pas prendre pour pitié. C'est sous question vente organe moun. Qui deux communes qui plus ciblées de questions ça, c'est pas commune qui gagne présence Negaxam qui remplace l'État, mais c'est plutôt ces communes qui gagne présence toute autorité qui est très fort en dans République Port-au-Prince. L'on dit République Port-au-Prince ou une zone qui porte nom zone métropolitaine de Port-au-Prince. Zone métropolitaine de Port-au-Prince, Jean de Condouli, il y a 8 communes là-dedans. Depuis prend Carrefour, ou tomber vers Cité Soleil, passer par Port-au-Prince, prend Delma là-dedans, fourré quoi dans tabac, prend une partie dans la commune quoi des bouquets qui c'est bon repos, filer monter Pétionville, al tomber Kinskoff, ou dans zone métropolitaine de Port-au-Prince. Si vous parlez de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, l'hypoténon est plutôt zone, l'hypoténon, l'hypoténon, l'autre nom.
Et ça qui arrivait, c'est que plusieurs communes dans le coin ça, pas sous contrôle l'État haïtien. Sous dit quoi des bouquets, sous parler de cabaret, ou passer même prendre Tomazo, ou pas qu'à parler de zone métropolitaine Port-au-Prince, ni dans le département l'Ouest qui coincé bon Port-au-Prince, gain contrôle l'État. Et sous mettez tête dans le Sud, pas parler de commune Carrefour, une zone qui part sous contrôle commune Carrefour. Mais c'est plutôt zone Le Lambi. Bon, Le Lambi lui-même tout, elle prend Gressier, qui sous le département l'Ouest, lui sous contrôle groupe armé. C'est quelques jours qui se passent là. La police qui a commencé à reprendre quelques territoires qui pour fin Diam, ni Kodjom. Qui t'emblène. Autour de Port-au-Prince lui-même, qui c'est capitale là, sous parler de Delma, sous parler de Bas-Delma, pour ne pas dire, et plutôt Bel-Air. Au cas dit l'État haïtien pas présent là. Si vous passez en bas la ville là, l'État présent en dans administration qui a brassé comme. Mais si vous parlez de Fort Touron, de la Saline, pas parler de l'État haïtien. Mais si vous parlez de en dans APN, et là l'État haïtien présent. Parce que c'est là qu'il y a un cop qui a brassé. Même j'entre le comportement, face avec problème de l'argent l'agent résolu, mais pas une urgence pour le monde la Tibonite. Et c'est comme ça l'État a fonctionné. Si vous parlez de présence de l'État, l'État sous la mer. Parce que le bateau allait sous la mer. Et il retourne comme ça doit. Et pas mandé non plus tout. Si m'a parlé de Cité Soleil, ou pral dit l'État présent. Ouais. C'est tout ça qui reporté. Mais c'est pas zone ça yo qui gagne. Et ça n'a pas le trafic organe. Mais zone nous pral dou là, c'est Rodelma, al tombe Pétionville. C'est deux zones ça yo. En pile moun porté disparu. Et même au niveau des CPJ. Qui gagne plus contrôle sa capacité à mettre deux mains en tête. Coûte sa qu'elle gagne là et comment, qui mécanisme qui utilise, qui type de monde qui choisit pour prendre tout ça. Coûte ça. Il m'a demandé de nous partager. Moi, c'est Michel Chérubin, avec Bellefontaine, PDG Radio-Télé Michel Officiel. Il y a un phénomène qui a passé à Haïti là. Sous règne, Garikonia, trafic d'organes, pas de courrier, ça Haïti, c'est Kounia Gayel. En pile moun disparaît dans le pays. Et t'assemblez, monsieur, yo, neg yo, ou bien messieurs, dames, yo, gagnez des caillots installés appareils pour prendre. Kremoun yo, rien yo et tout ça yo besoin. Parce que fok moun nan pa mouri pour yo pran kèr. C'est yo konnen koman yo fèl. Et t'assemblé, gen des experts nan pays, t'as fait bagay sa. Pas oublier, Haïti son pays, son savane ke liye, tout moun entré, jan yo vle la donne. Pas oublier, gen kek arrestation ki fèt an dan pays la. Des étrangers qui entraient, ou par contre, côté où tu es passé. Côté pour moun pi, veille tête dans le moment de parler là. Et côté pas gen cartouche à tirer matin, midi, soir. Et c'est là, en pile moun disparaît. Pétionville, en pile moun disparaît là-dedans. Parents, yo par contre, si yo monte, si yo descend. Delma, en pile moun disparaît là-dedans. M'a demandé avec parents, yo. Kap gen pou voye ti moun yo l'école. Mene petit nou l'école, al chèche l'école. Nèg yo pa pran moun ki dépasse 30 ans. Se ti moun 18 ans, jusqu'à 20 ans. Se moun sa yo pran. Parce que l'argent sa, ka semble li pi facile, li pi gros ki kidnapping nan. Eh bien, puisque en bas, coup de balap chante, Nèg yo monte avec insécurité an, sur yon lot fòm Pétionville Delma. Combien moun Pétionville ki gon moun yo pa wè? Combien moun Delma ki gen moun yo pa wè? Et même DCPJ oblige après l'amre yo recevoir trop plainte que moun ki disparaît. Gen moun ki disparaît yo pa pran rezo a. Yo plein nan ke mwè journalist yo en Haïti. Nous pas tenir compte de ça. Nous plus accentuer sur politique là. Mais ça sont l'autre insécurité, oui.
qui est encore pire, oui. Si pas gagne des mesures qui prend, n'attendez. L'école ça prend l'ouvrir, qui quantité jeunes filles, jeunes garçons qui pour disparaître dans le pays. Et c'est parti bagaille qui gagne. Si malheureux d'elle, on sait gros chabac, gros zouzoun. C'est pas si bagay qui gagne, si malheureux d'elle, c'est gros chabac qui derrière tout zak sa ou ka fait dans le pays. Ils sont comme cachou, yon ni pren moun nan, yon remet li, et puis met l'argent. Gon bagay ne gyape se fait là, retire tête, mette tête. Yo fait le sous bête déjà. Ça marche, oui. Ne ki gen million ki pa vle mouri yo. Y a retiré tête, mette tête, li poko en vogue. Mais yo annonce l. Son gros bagay m'di la. Yo annonce l. Même j'en yo capable retirer cœur moun, remplacer le par un autre cœur, rien moun nan, remplacer le par un autre rien. A ben ne ki yo va li seye la. Yo pren tête, l'autre moun ki pi jen nan, mette la. Attention. Attention. Pays d'Haïti, gon malè panje sou li la avec moun ka disparèt nan pays a. Moi c'est Michel Chérubin, PDG, Radio Télé Michel officiel. Rayon en pile, c'est plein nan cœur. Manche noir pour parti comme moun, ça ou le corps humain. Li nan Moyen-Orient, yon rein qui chita kol nan ceinture. L'écoute, dans le Moyen-Orient, $262,000 qui est évalué à 131 millions de francs. Pour que a coûté $119,000 américains, soit à peu près 60 millions de francs. Pour froid, yon humain, c'est $157,000, ça qui équivaut à 79 millions de francs. Rayon en pile. Yo pa piti en même temps, yo pa mince et même gain de démarche ki qu'on a fait auprès de communauté internationale, pas organisation yo, mais plutôt des hommes qui transforment tête yo en agence qui a organisé déplacement pour leur déplacer pour aller ou toujours un travail comme ça doit ou toujours combien qu'on a payé yo et parfois même passeport ou ticket yo dépend de agence qui a réglé ça pour vous. Et moun sa kapre gwe l'bo alba frèw, li ba bo frèw, li pa bel sèw. Et comme si l'ap fè tout bè gratis pou, se remèl remèw. Se comme si se paske ou son moun li gen pitié pou li. Poutan, ki pitié l genyen, se pou la mama. Ki te m'plen. Nou gen pou n'promettou, ki sa ke nou mèm nan recherche de kadavre. Dans une zone autour de Croix des Bouquets qui t'est servi poche pour mettre cadavre et c'est des motocyclettes qui t'est cible comme victime et ça ne dérive découvrir mais qui ça ne définit découvrir à chercher ouais qui comportement autorité dans l'état soit au niveau Croix des Bouquets à l'autre côté qui doué intéressé dans la question et j'en te wè bagay la nous te jwenn que pays d'Haïti son pays piégé parce que sous 13 moun qui était à l'intérieur de recherche ça gen 12 nan yo qui t'après le perdu dans lieu côté nous te situé non pour vérifier en mouvement louche côté moun exécuté. Et parmi 12 yo, nous autres, nous t'a fait partie de 12 moun qui t'a pris à l'exécuter. Et sans découvrir, nous t'es obligé. Prends le soin. Parce que si sans découvrir, nous t'es insisté, il était possible pour ne pas tourner la caille. Et quoi que toute diligence, précaution prend. Pour me dire comment un groupe ça qui était à l'intérieur, dans recherche ça, qui t'a cherché parents yo qui yo pas trouvé, qui t'a fait trafic moto. Sous parce que yon milliers qui pas entré la caillou,
C'est ton fléau, mais à la fin des temps, nous t'es fini par ouais. Il y a un monsieur Motoyo qui pas tourné, que vous êtes arrivé capté. Et ça ne dit ouais dans lieu côté de situé noir, pas de département dans zone qui t'a supposé qu'on trafic organe la dernière. Mais autorité en dans l'État, pas de investir coin. Et si vous êtes investi coin, ça nous-mêmes nous te voyons, vous avez fini par découvrir. Et pas de vle investi coin tout, li pas seulement par négligence, mais elle était plutôt. Gagné, qui te bagay qui te plus compliqué de question. Nous promettons, si c'est pas demain, si Dieu veut, ou bien après-demain, pour nous dire, qui ça que t'as passé à l'intérieur, qui mécanisme qui te développé avant pour situation ça pas faite dans coin ça encore pour le monter vers Pétionville et Delma. Mais non clair et net dans question trafic organe, il est difficile pour République dominicaine par lui-même fort la donner dans mouvement ça à lieu côté de Wella qui pas trop loin frontière Haïti à République dominicaine. Nous promettons, si nous sommes trop pressés, nous présentons demain si Dieu veut, et nous comprenons ça qu'Haïti et problème trafic organe, l'État haïtien pour que j'en penche vers la question. Hein? Parce que ce n'est pas n'importe qui l'a donné, c'est deux médecins, et les gens qui volent les gens à l'apporter là, ils ne sont pas obligés de faire grand étude, mais seulement depuis le capote, les gens qui tout vivant, l'argent fait. Voilà, M. Lalan Fritz, qui tape mes formes au prochain PM. Au revoir.